Bonjour mes tutos, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui on va s'ouvrir la Wookbox. J'ai des doutes en fait. Ouais, c'est bien ça, c'est bien écrit. Je suis fatiguée. Je viens de la recevoir un instant dans la boîte aux lettres. Mais avant ça, j'avais eu un petit souci avec le petit colis. Je vous avais dit que j'avais pas eu le bon livre qui était marqué sur le site. Et du coup je viens juste de le recevoir. J'ai regardé parce que je me demandais c'était quoi. C'est une note comme ça, voilà, on voit rien, il n'y a rien marqué. Du coup j'ai reçu mon livre qui devait être, voilà, ça c'est le bon. Du coup j'ai reçu les gentilles filles vont au paradis et les autres là où elles veulent. De Lisa Grimm, de livre de poche. Je suis pas fan de la couverture. Je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture. Vous allez entendre mon chat qui est dans la salitière. Zoé est la sœur de Oudi. Attendez, je vais faire pause, je reviens. Bon voilà, il a terminé, je continue. Bon, je recommence comme ça. Zoé est la sœur de Dalton. Enfin, la meilleure amie de Adrien, à qui ta tante Vic voudrait bien la voir mariée à 30 ans. À peine elle a monté sa propre entreprise de traiteur avec Sally, son assistante devenue amie qui aime bien Dalton. Elle ne l'écoute jamais les conseils de Franck. Sa mère et son nana, sa grand-mère adorée, mais se confie le soir à son chat Suzy. Sinon, sa vie que Zoé n'a pas complètement, encore moins quand elle rencontre Matteo Zigzag, le critique le plus influencé de New York, le type parfait, imbuvable, qui semble bien décidé à mettre sa cuisine à épreuve jusqu'au moins de détails. Choisi un comédie 100% New York, sexy et effaçable, se cherche croisé. L'amour comporterait à la porte de ces dialogues vifs et des percutants rimes par le meilleur et les rebondissements relevés de les arômes au caractère vocalique. Un roman d'amitié et d'histoire de famille, une passion, une terrible et Elizabeth Button était au 10e siècle dans une jeune cuisine américaine. Ça va parler de cuisine et de famille. Pourquoi pas? Ouais. C'est ce que je devais avoir dans la box à la base et que j'avais eu un jour en décembre que je l'ai eu qui n'était pas prévu à la base. Du coup, je vais retirer le plastique. J'avais pris mes ciseaux parce que d'habitude je l'arrache. Voilà, hop. Ça tombe bien en plus que aujourd'hui c'est le jour des poubelles. Je vais pouvoir tout mettre dans la poubelle. Du coup, elle se présente comme ceci. Elle est toujours énorme. Elle déborde. Je vais tout mettre sur mes jambes. D'accord, ok. Il n'y a plus rien. Je la mets à côté. Du coup, je suppose que ça, c'est un marque-page. Je ne sais même pas ce que ça veut dire.
Si quelqu'un peut me traduire. Voilà. Après, on a, je suppose que c'est du thé. 5 menthes, infusion aux fruits. Voilà. Et l'autre, c'est la verveine. Voilà, les deux petits sachets. Le thé. Oh, c'est con ça. J'ai un petit paquet de biscuits comme ça, mais il est tout en miettes. Voilà. Ça, je vais mettre sur la table à côté de moi. Ah, c'est ça. En fait, le marque-page vient de ça. C'est quoi qui est marqué? Lee Jan Explose. C'est un début de roman, si je comprends bien. De Isabelle Rouery. Ouais, c'est ça. Dans les 15 minutes de mon... C'est un petit livre. Voilà. C'est à regarder. Ça, je sais pas c'est quoi. J'ai ça comme ça. Ouvre-moi. Il est marqué juste ici. Ouvre-moi. Je vais mettre ça de côté. Ouvre-moi. Je t'ouvre, hein, monsieur. Oh, j'aime bien. C'est... Je sais pas, vous avez un petit chat. Voilà. Je suppose que ça va faire un marque-page. Marque-page pour feu. Attends. Le marque-page vous fera ronronner de plaisir lorsque vous de votre prochaine lecture. Créé par Bookbox. C'est même pas Bookbox, je dis la cube. Depuis tantôt, je dis Bookbox. Voilà. En fait, vous la mettez. Tant que je vous montre pas l'arrière. Comme ça. Ouais, pourquoi pas. C'est le premier que j'ai comme ça. Il est très beau. Il est très beau. Petit collant. Ça, je retire après. Après, je chope. Ici, on a le petit marque-page du... la cube. Qui est très belle. Là, on voit la route derrière. Elle est belle, celle-ci. Avec le paysage trop magnifique. On a l'entreface, la préface, plutôt la préface. Voilà, on a toujours un petit, petit truc là. Puis on a les librairies de la box, de la cube. Là, on a l'édition découverte de ceci. Elle parle de son livre. Là derrière, on a quoi? Un truc du mois, découvrir la légende du thé de... Oh ouais, ça c'est le truc du thé qu'on a. Et le livre de la page. Les chroniques. C'est quoi le nom? Né de la lune de Caroline Audi Berge aux éditions Plomb. Voilà. On a un petit peu de tout là. Et là on a quoi? Le corps des cœurs. Ouais, les coups de cœur de l'ivresse, la vie des l'ivresse, voilà, la préface. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est ça. J'espère que j'en ai beau. Hein. Je sais plus c'est quoi j'ai eu en plus. Je l'ai eu le mail à mail. Alors, bonjour Jennifer, une carrière explosion d'un réputation... de tombeur, une équipe et un coach de tonnerre qui sont comme sa famille et surtout un secret bien gardé. Des personnages attachants pour une crécie tendre de chaleur. Bonne lecture, Antoine, le libraire de Cube. Voilà. Et bien, on a un petit mot de la personne qui choisit son livre. Et je trouve que ça, c'est vraiment pas mal. J'ai déjà dit que j'allais essayer de le garder, le petit mot. Mais... Si j'essaie de le coller sur le lit. Je collerai après. Hop. Voilà. Bon, si j'ai bien compris, ça va parler sportif. De coach. Allez, sportif. Voilà. Vous savez pas ce que c'est. Enfin, vous voyez que ça. Oh, il a abîmé.
Fait chier. Il est très beau, les torse-poil. Voilà. Du coup, c'est hors-jeu de Amélie C. Artiqué. Marie Materlio, enfin, de les éditions Milady, la collection roman, je suppose. Voilà. Il est tout abîmé, vous pouvez pas imaginer. Là, je sais pas si vous allez voir. Là, non, ça va encore. Il est dégueulasse. Il est plié ici. Je suis pas très contente, je vais peut-être en mettre en mots. Là, il y a une grosse trace. Je sais pas si ça se voit, mais là, il est où la plissure que j'ai eue? Ici, regardez, là, il est tout plié. Je suis pas très contente. Là, regardez, là, une tache noire sur le livre. Là, j'avais pas vu, mais là, on le voit. Regardez la fissure, là, dans le livre. Regardez ça. Je suis pas contente, cette fois-ci. Je vais envoyer un mail. Je suis pas très contente. Là, mais la trace noire, ça se voit quand même, je sais pas, mais je suis un peu... Je sais pas si ça part, ça a pas l'air de partir. Voilà quoi, pour les collectionneurs de livres, c'est pas le top quoi. C'est écrit assez petit et fort compressé. Bon, hors-jeu. Qui va être hors-jeu? C'est sensuel... Sexy. Et c'est un livre de janvier 2017. Alors, le match le plus important de leur carrière ne se jouera pas sur leur terrain. Pas évident de protéger sa vie privée quand on est footballeur. Professionnel surtout. Encore moins d'assurer son homosexualité au grand jour. Ah, oh, c'est un homo. C'est un MM, du coup, si je comprends bien. Sa Wad Pert l'a bien compris. Capitaine de l'équipe qui manchette, il se fait passer pour un couron de jupon depuis des années. L'impossibilité de vivre une vraie histoire d'amour, et il fait avec, enfin, jusqu'à l'arrivée de Nikki dans son équipe. L'entrée, sa nouvelle recrue, c'est l'entration immodérée. Mais quel genre de relation les deux hommes pourraient-ils nouer sans détruire leur carrière et leur vie? Ça me donne très envie. L'histoire de Wack et Nikki est passionnée, un roman à découvrir. C'est chaud, bouillant, j'ai été émue et j'arrive pas à le lâcher. C'est, du coup, ça donne envie. Ça donne très envie. Sauf que je suis pas contente de le résultat de ce bouquin. Là, vous n'allez peut-être pas le voir, mais là, on voit bien aussi la plissure. Regardez ça. Là, on voit. Là, c'est tout plissé. La tache à dégueulasse. Voilà le livre que j'ai eu dans la cube. Il est beau. C'est un livre que j'ai envie de découvrir. Mais là, hein, là, vous voyez, je sais pas si on le voit bien. Mais là, la plissure, elle fait tout le long, quoi. Là, il est déchiré. Le livre est déchiré. Vous voyez, là, il est déchiré. Non, je suis pas du contour. Je vais faire un mail directement. Je vais même le... Comment dire? Lui donner les photos, s'il faut. Ah oui, ma poupette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Dites-moi, comme je vous ai montré les deux livres, j'ai mis celui-là là, je pense pas que je vais le mettre. Comme je vous ai montré les deux livres, dites-moi lequel vous attire le plus. Moi, celui-là m'attire plus. Là, c'est une histoire de famille.
Je suis pas, pour le moment, pas dans l'histoire de famille. J'ai pas envie pour le moment. Je suis plus attirée dans les trucs plus romantiques. Voilà. Moi, maintenant, je crois que je vais aller. Après ça, je vais lire. Je vais aller ouvrir mon mail. Parce que sinon, je vais oublier. Et voilà. C'est tout. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!